Allez, let's go. On est parti. Il y a Matt Montana qu'on vient de battre qui nous a demandé une revanche. Donc on va l'accepter. Je trouve que c'est fair play. Surtout qu'on est en classé. Partie interrompue. Bon, j'ai changé d'avis apparemment. C'est sympa parce qu'il était bon. Alors on joue contre Abdullah, Turquie, qui est clairement mieux classé que nous. Il est à 1032. Alors que ça donne, les gars. Alors que ça donne. On va jouer ça. Il a peur de tout. J'aurais bien aimé qu'il ait peur de moi, mais je crois pas. Allez, il met sa dame. Je sais pas. C'est pas un move que j'aime trop, mais bon. On va voir. Alors, attendez. Si je mets ça, est-ce que c'est bon ou pas? Oui, c'est bon. On va faire ça, du coup. Parce que, du coup, je vais lui prendre. Mais s'il mange avec mon cavalier. Et s'il mange ici, je le mange. Si je peux pas le manger, il faut essayer de consolider ma défense. Je peux aussi pousser. J'aime bien la solution de pousser, mais. Faire ça, on verra. Je sais pas si c'est bien ou pas. Quel fou, il essaye de me le clouer ici. Je vais juste mettre mon fou ici. Là, qu'est-ce que je peux faire? Je vais mettre mon fou ici, ce qui est pas mal. Mettre mon fou ici parce que ça va déplacer sa dame et une fois qu'il déplace sa dame je pourrais peut-être attaquer son je vais la tenter j'ai pas calculé mais ça m'a l'air bien ça m'a l'air bien en gros il est obligé de bouger sa dame alors il peut la bouger soit ici pas ici prends mon pion ce qui est pas con en vrai j'ai pas calculé mais en fait il pouvait attaquer mon pion du coup hein, parce que j'ai bougé mon clavier c'était une erreur par contre maintenant j'ai une fourchette entre sa dame et ça il va prendre mon pion. Normalement, bah, je devrais prendre son. Je ne vais pas prendre mon pion parce que j'ai ma dame. C'est encore mieux que ce que je pensais. C'était complètement calculé, les gars. Complètement calculé. Complètement calculé, les boys. Ah, lui, c'est une moins grosse top que moi, quand même. Il est bien mieux placé. On va voir. Ah, ça donne. Si on gagne, on prend plus 9 de Halo, ce serait pas mal. Bon, là, par contre, je lui ai mis un tracas. Je lui ai mis un tracas. Ça réfléchit bien comme il faut. Ça réfléchit bien comme il faut. Tant pis, il faut qu'il cache sa dame. Ah, je pense qu'il a que ça à faire. Mais je pense qu'il essaye de réfléchir qu'est-ce qu'il peut me mettre en difficulté en cachant sa dame. Je ne vois pas trop de solutions pour lui en vrai. Il pourrait, je pense, la meilleure solution, c'est mettre sa dame ici. Ça serait pour moi la meilleure solution pour lui parce qu'en fait, il crée un échec. Et du coup, comme ça, après, il peut bouger son fou plus tard en fait. Parce qu'en gros, il m'oblige à protéger mon roi s'il se met là. Donc, je vais potentiellement. Ça, c'est bizarre. Ça c'est bizarre. Il a bouffé quoi là? Il a bouffé un pion? Ah, c'était pas le meilleur coup, je pense. Moi, je peux pas faire ça parce que sinon il s'en prend à mon cavalier. Du coup, je vais juste prendre ici. À prendre ici. Je pense que ouais, le meilleur coup pour lui c'était de mettre sa dame ici. Il avait mis sa dame ici, il aurait créé un échec. Et du coup, il aurait pu s'en sortir. Bon, du coup, je pars avec un petit avantage. Plus ça, je lui ai pris un fou quand il m'a pris deux pions. Je sais pas trop si ça va. Je pense pas que c'est ça qui va faire la diff, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. Et je vais roquer ici pour mettre ma tour sur la colonne ouverte. Apparemment, on m'a dit que c'était sympa de faire ça. C'est parti. Avec son cavalier, je sais pas trop ce qu'il veut faire ici. Protéger sa dame, mais c'est bizarre. On va voir. On va voir, on va voir. Il y a un coup qui pourrait être sympa pour moi, c'est mon fou ici. Si je mets mon fou en T, pareil, là c'est un peu bizarre son coup. Ah, il va peut-être faire une fourchette ici, genre. En gros, s'il met son cavalier ici, il peut faire ça. Le problème, c'est que moi j'ai mon fou C en C qui peut aller chercher là-bas. Donc je m'en bats les couilles un peu pour l'instant de ce qu'il fait. Je vais juste lui mettre la pression. Mon cavalier est protégé par ma tour. Mon fou est protégé par ma dame.
On est pas mal. Je sais pas si c'est une bonne idée. On va découvrir. Donc, du coup, il m'a pris mon pion. J'avais pas vu, mais quand il est venu, il a pris mon pion. Et du coup, bah, c'est moins sympa ça. C'est moins sympa. On va voir si on peut aller contre-attaquer derrière. J'ai l'impression du coup qu'on est à égalité, mais je suis quand même un peu mieux développé. Non, pas du tout en plus. Voilà. Bon, bref. J'essaie de justifier comme j'ai, mais bon. Je sais pas trop. Mais là, c'était pareil, c'est un peu compliqué pour lui. Pour moi, il est obligé de dépasser sa dame. Maintenant, c'est tout, il va la dépasser. Je pense qu'il n'a pas d'option. Je vous la montre. C'est vrai que je commence à prendre de l'avantage au niveau de la montre. Ça peut être pas con. Ça peut être pas con. Et par contre, j'ai un bon coup parce que dès qu'il va bouger sa dame, je pense que je vais mettre mon fou ici en E4. Et du coup, en E4, je vais menacer son cavalier. Je vais menacer son cavalier. Ah, mon fou, il n'est pas protégé. C'est ça mon problème. C'est que mon fou, il n'est pas protégé. Est-ce que je peux faire ça? Ouais, je peux. Je vais déplacer ma dame et mon objectif, c'est de mettre le fou ici après. Bon, j'avais une deuxième option, hein, c'était de faire ça pour chasser sa dame encore, ce qui était peut-être mieux en vrai. Ce qui était peut-être mieux. Bref, j'ai un peu. Je pense pas fait le coup idéal. J'ai pas fait le coup idéal. On va voir. On va voir ce qu'il propose. Je ne peux plus chasser sa dame, je pense. Bon, mon coup, c'est toujours l'idée de mettre le fou ici, les gars. J'ai très envie de mettre mon fou ici. Parce que si je mets mon fou, je menace son cavalier et le pion ici. Et après, j'enferme sa tour. Donc, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal, je pense. Et puis, j'ai le temps. Hein. Le temps, il a raison, Willwatts. J'ai le temps qui commence à être pour moi. Donc, ici, il fait un coup qui. Pour moi, n'influent en rien sur ma stratégie. Donc c'est parti. Il peut pas me prendre avec la dame ici parce que j'ai ma dame qui cover. Et là, bah, je vais le mettre un peu en PLS, je pense. Normalement, hein, sauf si j'ai raté quelque chose. Ça m'arrive souvent de rater des trucs. Mais j'ai l'impression que c'est pas mal. J'ai l'impression que c'est pas mal. Et ça, c'est pas con non plus. Ça, c'est pas con du coup, parce qu'il protège. Mais maintenant qu'il a fait ça, je peux juste mettre ma dame ici. Maintenant qu'il a fait ça, je peux juste mettre ma dame ici. Et ça, ouais, c'est pas con aussi. Chier, putain. Je pensais avoir le meilleur plan de la Terre. Mais non. Je peux mettre mon cavalier ici, mais en vrai, c'est pas dans mon intérêt. J'ai besoin de sortir mon fou et le problème c'est que je ne sais pas comment faire. Je pourrais le mettre là, mais le problème c'est qu'il va me bouffer, ça me fait doubler mes pions, ça ne me sert pas à grand-chose. Il faudrait que je mette le fou d'abord, du coup. Je vais mettre le fou et ensuite je vais mettre le cavalier. Du coup la dame attaque plus ici. C'est pas trop grave. Parce que moi je ne suis pas attaqué. On va perdre un tempo du coup. Voilà, du coup, ça va être compliqué de s'en prendre à sa tour avec cette structure. À moins que j'attaque ce pion-là. À moins que j'attaque ce pion-là. On va voir. Du coup, mon plan, c'était ça. Mon plan, c'était ça. Il y a des chances qu'il vienne manger. Là, je prendrai avec le fou. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Alors, il y avait un autre truc que j'ai pas vu. Ça aurait été de ramener le pion ici. Ça, j'ai un peu merdé. Ça aurait été vraiment le top. Ça aurait été vraiment le top. Ça aurait été vraiment le top. Dommage que je ne l'avais pas vu parce que c'était puissant, ça, je pense, de ramener le pion ici. Pense que c'était pas mal. Dommage. Alors. C'est vrai que j'ai un petit avantage de temps, c'est vrai que je ne traîne pas trop. Est-ce que je peux aller faire quelque chose par là? Ah, je vais même m'enfiler là-bas. J'ai pas envie de prendre ici parce que sinon ça va ramener son pion là, ça m'arrange pas trop. Je vais le laisser là, je vais continuer à me développer. Je vais mettre ma dame ici. Et je vais essayer de ramener la tour par là, je pense. Ramener la tour là. Là, il menace mon fou. Ça me dérange pas tant que ça.
dérange pas tant que ça, parce que pire, j'irai chercher là. Et puis, il est protégé ici aussi. Je vais faire comme j'ai dit, je vais rafler. Je vais continuer mon plan. Je vais continuer mon plan. Je ramène mes pièces en jeu. Lui, il a sa tour qui joue pas, sa tour ici qui joue pas. J'ai l'impression d'avoir un avantage de développement maintenant. Bon. Donc là, j'ai le choix. Soit je reprends avec la dame, soit je reprends avec le cavalier. J'ai une petite préférence pour le cavalier. Préférence pour le cavalier, parce qu'après, j'ai envie de jouer ici. J'ai envie de jouer J5. Tac, tac. Ça ferait que le cavalier est protégé par là, donc il pourra me bouffer avec le fou. Mais si je le rebouffe derrière, je menace la dame. Voilà. Donc là, il met son cavalier pour menacer ma dame. Intéressant. Intéressant, intéressant. Est-ce que je peux faire un truc de génie avec madame? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que je puisse faire un truc de génie. Donc si je peux aller menacer à mon tour sa dame, ça peut être une option. Ça peut être une option. J'ai pas envie de perdre madame. J'ai pas envie de perdre madame. Quoique. Allez, on va la tenter. Non, c'est pas bon parce qu'en fait, s'il mange madame, je peux pas le reboucler tout de suite donc c'est relou. J'ai juste bougé madame et je vais la mettre. Pas la mettre là. Je peux pas la mettre à beaucoup d'endroits. Ouais. Je vais la mettre là tranquillement au chaud. Et si je viens là, bah, je peux le bouffer avec la dame. Si je viens là, je peux le bouffer avec la dame. Je protège un peu tous mes plans. Et en fait, j'avais pas vu, mais si j'ai ça là, je peux aller le bouffer avec mon fou. Je vais aller le bouffer avec mon fou, ce serait pas déconnant. J'aurais pu le faire tout de suite. J'aurais pu le faire tout de suite. Ça m'aurait évité un coup d'un peu débile avec madame. J'aurais pu aller bouffer avec mon fou. C'est pas grave. Ouais, je vous mets des petites flèches là, c'est la stratégie. Tac, 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 tac. J'y reste plus tard aux échecs qu'en slot. Ouais, c'est parce que ça me demande moins d'énergie en vrai, mon médoc. Et puis là, on est dimanche, donc c'est différent. Du coup, il monte son truc ici. Intéressant. Moi, j'ai envie d'aller sur mon plan initial, qui était de faire ça. Qui était de faire ça, de menacer sa dame. Donc là, normalement, il devrait me prendre ici. Et moi, je vais le reprendre ici pour menacer sa dame. Parce que là, elle cover un peu tous ses pions. C'est un peu compliqué. J'ai envie de changer la structure, quoi. J'ai envie de l'amener à faire des erreurs. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Donc il prend, je reprends, on attaque là, on attaque là. On va voir où il va bouger sa dame. Bon, après, il peut me mettre en difficulté par ici, hein. S'il bouge sa dame par ici, ouais. Mais en difficulté, moi je peux faire un coup comme ça. C'est un coup que j'aime bien parce qu'il est sneaky en gros. Parce que là, en fait, s'il ne fait pas gaffe, je fais échec en 1, les gars. S'il fait pas gaffe, ici c'est échec et mat. Si je mets ma dame ici, c'est échec et mat parce qu'elle sera protégée par mon cavalier. Ah non, il y aura la dame ici. Je m'en plains un peu. Je m'en plains un peu. Mais par contre, s'il bouge sa dame, ça pourrait être échec et mat ici. Merci pour le follow à Billy Boy, Billy Body, pardon. Ok, donc il avance, ce qui est bien joué. Il avance, il avance. Et là, par contre, je commence à être dans la galère parce que mon cavalier est un peu dans la galère. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai envie de faire un truc un peu comme ça. On va manger son cavalier. Normalement, il va me remanger avec le fou et je vais monter ma tour. Parce que ma tour sera protégée là. Je vais mettre encore sa dame en PLS. En PLS, hein, on se comprend. On se comprend, on se comprend pas. Essaye de lui mettre la pression. Essaye de lui mettre la pression. Donc là, il mange ici. Ok, pourquoi pas. Bah, du coup, je vais manger là. Et dans l'idée, j'ai gagné un pion. Dans l'échange, j'ai gagné un pion, ce qui est quand même cool. Et si vous le checkez bien, il y a un autre avantage là-dessus, c'est que j'ai ouvert la colonne pour que ma dame, enfin, que ma tour attaque sa dame. T'inquiète, au chrono, il est mort. Ah, c'est vrai qu'au chrono, je mets un peu la misère. Et là, du coup, en plus, je me pose une question, c'est que s'il bouge pas sa dame, je vais te bouffer, Coco. Je vais te croquer. Let's go. On a toujours ces deux tours qui sont hors jeu, et je pense que c'est là-dessus que pour l'instant, je gagne la partie.
Parce que moi, mes deux tours, elles sont en jeu et elles peuvent commencer à faire mal. Et notamment là, du coup, sur la dame. Parce qu'il ne peut pas me boucler là, je sais pas des jets, etc. Pas de type de data. Vous avez compris. Vous avez compris l'idée, les gars. Et ouais. Donc on va voir. Et là, le chrono, c'est vrai que ça commence à être chaud pour lui. Le chrono, ça commence à être chaud pour lui. Donc là, il m'attaque, c'est pas déconnant. Il menace pas ma tour, il menace mes pions ici. Il faudrait que je défende idéalement. Après, j'ai envie d'être agressif, je sais pas comment trop. Il y a peut-être des solutions pour que je mette les mats assez rapidement. Je les vois pas tout de suite. Je les vois pas tout de suite. J'ai une solution, c'est de mettre ma tour ici. C'est pas trop mal. Parce que j'ai pas envie qu'il me bouffe tous mes pions, quoi. Il a repris le pion que j'avais d'avance. Et c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Si tu mets ta dame. Je vais juste jouer vite pour éviter de perdre trop au niveau chrono. J'ai l'impression que je rate un coup là. J'ai l'impression que je suis très proche de mettre mat sans roi. Que je suis très proche de mettre mat sans roi. J'ai envie d'agresser en fait. J'ai envie d'agresser. Je vais mettre mon fou ici. Je menace ici. Normalement, il va répondre en mettant une tour ici. Mais du coup, il aurait à libérer la pression un peu sur ce pion, tu vois. Ce pion que j'attaque ici. Donc en gros, si j'arrive à attaquer avec ma dame ici, ça peut faire mal aussi. Mais là, j'ai pas la possibilité tout de suite de le faire. Je peux faire? Je peux aller par là. Je peux aller par là, c'est pas mal. Bon, du coup, je me laisse bouffer mes pions ici, mais je suis en train d'essayer de préparer un coup, quoi. Vous avez compris? Je vais laisser mon fou ici pour l'instant. Parce que je suis protégé par ma dame. Et je vais juste défendre mon pion. Ouais. On va faire ça. Je vais essayer de pas gratter trop le chrono. Et là, lui, il lui reste pas beaucoup de temps. Lui reste pas beaucoup de temps. Mais j'aurais bien aimé trouver une méthode un peu sympa pour le mettre échec et mat. Je suis sûr que je suis passé à côté de trucs sympas. J'en suis sûr. Doit y avoir des solutions pour le échec et mat. Donc là, il avance ici. Bon, pas grand-chose. Il faut que je me dépêche de jouer. Pense que je vais me mettre là. Ah, je sais pas. Je vais me mettre là plutôt. Je vais me mettre là. Ah, ce qui est une connerie, parce que du coup, il va me bouffer ici. Je vais trop vite. Du coup, je voulais monter mon pion ici, en fait. Je voulais monter mon pion ici, mais maintenant, il va me bouffer là avec sa tour. C'est pour ça que je voulais me mettre là au début. C'est pas très malin. Pas très malin de ma part. C'est pas très malin de ma part. Heureusement qu'il a le temps et qu'il l'a pas vu. Parce que sinon, ça aurait été relou. Et en plus, je continue dans mon erreur parce que du coup, je bloque juste là. Parce que je veux l'empêcher, je veux lui poser des questions pour qu'il réfléchisse, quoi. Hop, on va monter nous ici. On va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. Bon, on a gagné du temps. Je suis pas sûr qu'on ait vraiment bien joué. On a raté des trucs, je suis sûr et certain. On va regarder le bilan. On va regarder le bilan, les gars. On va regarder le bilan. Bon, ce qui est cool, c'est qu'on a pris plus 9 de Elo. Ah, il a fait qu'une gaffe, lui. Mais bon, les scores de précision sont catastrophiques. Alors là, c'est deux parties du tome, hein, comme disait Will Watt. Bon, là, pas de trop de questions. Là, le rock, c'est une connerie, apparemment. Donc, pourquoi il me conseille de faire quoi? Pion ici pour défendre. Bah oui, du coup, parce qu'après, l'ennemi mangeait. Et en plus, le truc était protégé ici. Bon, première connerie de ma part. Ok, donc ici, c'est une connerie aussi. Il me proposait, lui, de faire. Échec. Ouais, échec, mais je comprends pas cette variante. Qu'est-ce qu'il propose? Ouais. Non, je comprends pas là. Je comprends pas la variante là. Parce que du coup, il met son fou ici. Il met son fou ici. Ok. On reprend un peu là parce que je comprends pas. Et là, pourquoi il ne mange pas, genre? Ah, il peut pas, parce que le pion est cloué, incroyable. Ah ouais. Ouais, c'est fort, c'est fort. C'était très fort, ça. C'était très fort. J'ai pas vu.
Belle victoire. Ok, bon, voilà, fallait monter. J'en ai parlé tout à l'heure, j'avais raté ce coup-là, je l'avais vu en live, donc ça c'est cool. Là, c'est un coup de merde. Coup de merde. Je sais plus pourquoi je fais ça. Mais je voulais libérer la place pour les tours. Et ouais. Là, je le prends, je le cuis, quoi. Mais le problème, c'est que là, il remange. Qu'est-ce qu'il imagine, lui? Ok. Ok, bon, imaginez prendre la dame. Pas sûr que ça se passe vraiment comme ça, mais ok, intéressant. Ouais, pas mal celui-là, pas mal ce coup-là. Ici, encore une question un peu chelou. Ouais, il aurait voulu que je mange tout de suite. Je l'avais dit après, je l'avais vu plus tard. Là, il met la tour ici, donc c'est une erreur. J'étais plutôt content de ce coup. Ok. Bon, lui, il vient de mettre la pression, ce qui n'est pas déconnant aussi. Là, c'est une connerie, ouais. Ça je savais. Eh oui, bah oui. Ici, c'est une connerie aussi. Ah ouais, face de la dame. Ok. Bon, voilà. Ah, sympa cette petite partie. Je pense qu'on a appris pas mal de choses. Je vais faire une dernière. Tant que je perds pas, j'arrête pas ce soir. Et puis on va voir ce que ça nous mène. Allez, let's go.